rapport sorti après l'assassinat de Jovenel Moïse. Premier rapport a sorti dans le mois d'août 2021 après la police judiciaire de CPJ te remettre le premier rapport partiel lié à commissaire gouvernement. Nous avons analysé le rapport ça et avec l'autre information que nous avons fait, nous avons fait un rapport. Et deuxième rapport, c'est 6 mois après l'assassinat qui sorti jeudi et passé, jour 6 janvier 2021, pour nous montrer que 6 mois après, la police judiciaire n'a pas continué à approfondir l'enquête là. Et parce que son rapport, un rapport passé à le trimètre, et pas d'instruction au niveau cabinet d'instruction. Et j'y là avec greffier, c'est à sceller la passer les mounes. Moun qui a un mandat contre eux, il a demandé l'argent. Et moun qui a invité dans le cabinet d'instruction, c'est comme ils ont payé pour en pile là-dedans pour être capable d'entendre. Et m'a dit tout, mais gagné là-dedans. Donc, dans ce sens-là, nous, ouais, avant l'assassinat de Jovenel, il y a une série d'institutions qui étaient connectées avec la police judiciaire, base de données institutions. C'est OAVCT, Immigration, DGI avec ONU. Ils ont déconnecté avant l'assassinat, après l'assassinat, ils ont reconnecté jusqu'à aujourd'hui, ils ont reconnecté. Et nous, ouais, tout, et gagné 5 personnes qui et planifier, coordonner, exécuter crime là. Et alors coordonner pour exécuter crime là, c'est Joseph Badio, John Joel Joseph, Dimitri Ra et Civil Laguel avec et Dragon. Malheureusement, tout le monde connaît le 17 novembre 2021, Dragon mourit dans condition et jusqu'à présent nous pas connaît. Et monsieur yo dit il était fait Covid en dans prison hein. Et l'aile rive l'hôpital, c'est même jour rive l'hôpital là, un petit temps après, il mourit, côté que l'oxygène était baissé, il était plus bas, passé 60, et il va venir l'hôpital à temps. Donc, c'est un élément clé dans le dossier. Et qui ça nous fait, nous-mêmes RNDDH? 6 mois après, nous analyser, nous joignons directeur général, ancien directeur général de la police, Léon Charles, il a fait obstruction avec l'enquête là. Il a contrôlé l'enquête là. Et côté que il pas prend aucune disposition pour et il pas fait aucune démarche pas aucune disposition pour la police judiciaire te reconnecter avec institution là pour te faciliter enquête là et nous est tout c'est sous leadership li après et enquêteur de CPJ fin remettre premier rapport partiel li et ben inspecteur général qui était là dans l'époque là le 1er octobre 2021 li comment il a commencé convoquer policiers qui était sous enquête là dans inspection générale c'était pour intimider ou pour mettre ou dans prison et tout l'autre jour là dans mois de décembre les et juge a invité Léon Charles dans cabinet d'instruction. Léon Charles allait avec 53 policiers et te gagne 2-3 policiers administratifs après ça tout l'autre jour c'est des policiers dans unité spécialisée. Il débarqué avec 7 machines pour qui ça est-ce qu'il y a un bagage qu'il gagne pour le cacher, est-ce qu'il gagne pour intimider juge là. Et puis tout, gagne John Joel Joseph, dans le mois de juillet 2021, DCPJ t'a identifié, il était dans le CAI, dans l'île à voix. Après, il était Cité Soleil, après ça, il était dans l'île à voix, là, le caché. Et c'est Léon Charles, le DCPJ, il a mené et enquête, une opération dans le CAI là pour prendre Michel, dans la souhait. Et Léon Charles informé Miché et il fait des CPJ al fait et aller dans Kaila dans la journée pour assoir pour yo pas joindre pour pas arrêter. Donc il t'a protégé. Et nous joindre Léon Charles t'est parlé avec Badjo, il t'est parlé avec et Vincent et l'autre et interprète et qui est concerné Solage. Bon. C'est yo t'est parlé, yo t'est communiqué. Téléphone. Oui, dans le téléphone. Après l'assassinat. Entre Vincent avec Soleil, il y a parlé 12 fois. Et là, la police judiciaire, la police finit exécuter des Colombiens dans Mon Calvaire. Là, ils ont arrêté l'autre Colombien avec et Vincent et Soleil. Ils ont mené et Boa VCTA. Tout près commissaire habite en ville là. Léon Charles rentré dans le bureau commissaire police là. Il fait plus passer une temps avec Vincent et Solage, il a parlé. Je ne sais pas qui ça a discuté, mais c'est au point. Mais si tu as une instruction qui t'a mené,
eh bien, yo t'a pral, li t'a capable dit pour qui ça. Malheureusement, pas d'instruction et pas d'enquête. Maintenant, ça qui fait nous réjouir au niveau RNDDH, c'est parce que jeudi a fait exactement 9 jours côté que la justice américaine s'est saisi dossier et yo mené Palacios aux États-Unis et yo tandel et Palacios parlé. Palacios tellement parlé, yo il est palador. Et il tellement parlé. Et ou gagne tout Rodolja qui c'est yon nan moun qui finance crime nan. Monsieur le 11 décembre 2021, il fait une interview avec New York Times. Voulez nous connait interview New York Times là et pas pendant Ja en République Dominicaine il fait. Il était fait en Haïti le 11 décembre et Ja c'est dans commencement janvier la semaine passée là en République Dominicaine et puis il a arrêté. Il était une protection et autorité. Donc il a collaboré avec le FBI. Donc Jean nous enquête à piétiner en Haïti côté que Ariel dans le mois d'octobre 2021 4 mois après assassinat l'y rencontrer avec Badjo deux fois dans la nuit et dans un caille et Badjo yo gagne pour arrêter Badjo yo gagne pour prendre John Joel Joseph si autorité ici en Haïti qui a protégé et moun qui impliqué dans crime là si pas été assassiné yo mais c'est ça pour qu'on quitte pays là et alors John Joel Joseph quitte pays là mais Badjo toujours en Haïti et sous protection la primature et Ja lui-même il fait interview ça depuis le 11 décembre et nous ouais c'est un mois après interview yo vinn font article sur ça bon peut-être il te font arrangement avec New York Times pour te dire pour le ballon titan. Mais Ja pas de vle prendre prison en Haïti. Il te vle collaborer avec et il te vle collaborer sur dossier ça et ouais au prendre en République Dominicaine l'a collaborer avec FBI. Nous dit dans RNDDH, nous convaincu monde qui paye pour crime là et que au niveau et dans plus haut niveau et dans le gouvernement ça qui là yo pas vle des CPJ al et chercher connait qui est-ce qui paye pour crime parce que FBI bail information bail des CPJ information sur transaction qui fait dans des banques ça il y a besoin et parrain crime là il y a besoin papa maman parrain marin ça veut dire que moun qui paye pour crime là moi gen moun qui gen tendance parce que si gen moun pour citer c'est des CPJ qui pour bail par exemple. Ça, nous-mêmes dans RNDDH, nous lis enquête de CPJ, nous lis rapport de CPJ, nous lis procès verbal audition JDP et dans la première vague, premier monde qui a été arrêté. Et c'est sur ça nous intervenons. Donc, nous ne pas capables de citer les gens et que nous n'avons pas d'informations sur nous. Donc, là, par exemple, Moun Abdou. Et Léon Charles va te parler avec Badjo. Comment elle va te parler avec Badjo? Bon, un journaliste et en ici qui dit moi-même qui ai espérance d'intéresser Léon Charles joue crime pendant 7 fois elle pas te répondre. Mais c'est mensonge. Nega et le directeur général de la police, il a assassiné Jovenel, moi elle deux fois joue elle parler avec pendant tous deux fois. Après ça, il roule moi le cabré moi pendant 9 jours pas jamais capable parler avec lui. Finalement bon message il me dit ça qu'a passé, c'est qu'on bail n'a pas caché. Et puis après ça lui nous réunis. C'est normal. On cause tout pas là avec ça non plus. Bah oui, m'a parlé avec nous. Et alors moun yo montre qui parle avec ça non, pas semblable même plus beau garçon passé mon et plus jeune. Donc yo montre un monde qui était en rencontre avec ça non, même mais là ouais moi plus beau garçon que mon et plus jeune. On voit donc c'est pour yo bail un autre monde. Ça pour yo faire c'est pour yo prendre vraie photo moi. Pour vous montrer et que on était capable parler avec ça non et pas bien ouais RNDDH n'a bataille pour société à Chicago son état de droit même Jean ouais n'a dénoncé tout crime qui était fait sous Jovenel Moïse Diego Charles Marie-Antoinette Dicker et Montfégué d'Orval 13 massacres que nous documenté dans quartier défavorisé nous voulons tout justice pour Jovenel Moïse.
C'est dérive que nous avons dénoncé sous Jovenel Moïse, mais nous n'avons jamais demandé pour être assassiné. Il est clair que l'équipe qui est sous pouvoir, ça, là, il y a des choses qui a caché dans l'assassinat. Pour qui ça fait pas faciliter l'enquête là, n'en permettre que face des CPJ reconnecter avec institution ça pour continuer l'enquête là. Pour qui ça yo bail juge à l'ordre, yo même bail parce que juge à l'emmène yo et pour juge à pas bail des CPJ pour commission rogatoire. Pour qui ça 4 mois après assassinat Jovenel Moïse que Ariel a rencontré avec Badjo deux rencontres deux fois là la caille. Pour qui ça? Et pas moi qui dis non, c'est New York Times et information sorti dans vente moun yo en dedans moun yo en dedans moun yo. Donc c'est comme ça parce que leur autorité moi même là m'ka sorti là m'prend ti machine mal n'importe côté mais leur autorité on autorité ici yo toujours penser en affaire yo toujours faut gen moun avec eh ben moun avec yo y a parlé a pa Jovenel te non caille il te gen 23 policiers qui composé de 3 unités dans la police a quitté là yo te dans caille là yo pas bal sécurité et yo quitté yo tué amen c'est même bien tout ou capable gen moun qui avec ou qui là qui proche ou qui autorité bokoto cap dénoncer